plaisir pour nous avoir une autre fois encore pour nous présenter un programme en langue créole haïtien. Aujourd'hui, c'est jeudi 5 septembre 2024. Un plaisir comme d'habitude pour nous avoir pour nous présenter une nouvelle édition Rendez-vous Info. Moi, c'est Jacques Belizère avec un grand point qui a dominé l'actualité. Dans Port-au-Prince, côté il rencontré entre autres officiels haïtiens, membres classe politique là et membres force multinationale là. Qu'on y a la paré pour les mettre tête pour République Dominicaine. États-Unis, 4 moun mouri en babal dans yon l'école dans Georgia. Élèves qui suspect pour action trouvé dans la police. Président Joe Biden réagit. Guerre la Russie-Ukraine, président russe Vladimir Poutine cite nos pays tant la Chine, Inde et Brésil comme pays qui a joué un rôle médiateur dans négociation avec Ukraine. Et puis en France, président Emmanuel Macron nomme Jodia, ancien ministre et ancien commissaire européen de droite Michel Barnier, 73 ans, comme premier ministre pour remplacer Gabriel Attal, 35 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'autre fois encore, merci d'être choisi VOA Creole pour informer vous. Et bien, go nouvelle là. Actualité à nan pays d'Haïti, c'est avec visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui lui-même visité Haïti. C'est dans 4 visites nan pays d'Haïti et en République Dominicaine. Et dans le moment, on a parlé là. Et il faut dire que visite là a continué avant que. Et M. Blinken mettait tête libre pour lui aller en République Dominicaine. Il y a plusieurs déclarations qui faites dans l'occasion, à côté que, eh ben, chef diplomatie américain a fait plusieurs rencontres, notamment avec le premier ministre là, on a parlé de Gary Coney, et il a rencontré tout avec le président et conseil et présidentielle transition, hein, M. Edgar Leblanc et fils, et secrétaire d'État Anthony Blinken dit que il est content pour le voir que un bon processus pour gagner un conseil électoral provisoire, et il salue tout et troupes kenyayo qui vini capoté et appuyo pour sécurité en pays d'Haïti, et il dit il parlait de résultats même que yo gantan wè. Et puis, dans le pays d'Haïti même, il y a un premier ministre Gary Coney qui dit que il est reconnaissant envers le peuple américain pour amitié, pour solidarité, et il est reconnaissant tout pour le secrétaire d'État, pour engagement personnel, que il témoignait pour le venir, pour le souligner extrêmement engagement, pour travailler avec Haïti, avec objectif. Et il dit que le progrès qu'il a réalisé jusqu'à présent, eh ben, il est assez remarquable, au moins, et dans 100 jours, depuis installé, et présent ces forces-là, ici-là, eh ben, il a parlé de force multinationale, là, il dit que c'est essentiel. Et le secrétaire d'État Anthony Blinken lui-même lui dit que eh ben lui dit que il t'a remis que Haïti prend route pour prendre route et élection d'ici année prochaine, mais aussi créer un environnement qui sûr non seulement pour élection mais pour assurer que toutes services que ben capable peuple haïtien capable joindre et toutes services et qui n'a besoin de façon désespérée et avec développement qui capable avancer pour un avenir normal dans pays d'Haïti. Donc plusieurs rencontres nous capables secrétaire d'État américain Anthony Blinken, chef diplomatie américaine, et ben lui-même qui était rencontré avec Edgar Leblanc fils qui s'est président conseil présidentiel de transition, et il était rencontré tout avec Gary Coney dans occasion visite ça. Et après visite ça, eh ben l'a gagné pour le rencontrer tout, et il était rencontré avec membre classe politique haïtienne, il rencontré tout avec membre MMAS, n'a parlé de force et multinationale là, et après ça l'autre visite là il va aller en République Dominicaine côté que l'a gontiné, l'a rencontré avec président Luis Abinader, et l'a rencontré tout avec des étudiants, l'a fait plusieurs rencontres. C'est on l'autre visite chargée encore pour secrétaire d'État américain Anthony et Blinken, tant qu'on dit qu'a fait qui est jusqu'à présent, eh ben il est toujours dans le pays d'Haïti, l'a fait un voyage et pendant quelques heures parce que l'entrée de vers 11h, et l'a gagné pour lui aller en République Dominicaine. Donc, on a venu avec l'autre d'État encore sous plusieurs déclarations qui faites dans l'occasion, notamment Premier ministre Gary Coney.
Tony et président et conseil présidentiel transition, hein, on a parlé de Edgar Leblanc fils et puis très naturellement chef diplomatie américaine, hein, et qui dit que il constate progrès qui fait surtout avec force Kinyanyo qui entrait dans pays d'Haïti. L'autre point dans l'actualité a toujours concernant le pays d'Haïti, conseil gouvernement avec le premier ministre Gary Conille, et bien on prend plusieurs et décisions dans l'occasion et conseil gouvernement que yo te gain, notamment yo décidé sur une plateforme numérique pour bien contrôler contractuel l'état yo pour éviter ça relé système chèque zombie. Steven Aristide gain détail. Après premier ministre Gary Conille était fin organisé 4e conseil gouvernement liant porte-parole li Jean-Jules Desaugustes t'est parlé avec VOA Creole dans une interview exclusive li fait connait 4e conseil gouvernement t'est fait dans l'idée pour discuter sous plan gouvernement à grand chantier transition yo qui c'est réforme mandat constitution organisation élection rétablissement sécurité conférence nationale résolution crise humanitaire accrédissement économique pays à premier ministre l'ont tout pour fait qu'on est fait de route liya pas négociable. Toujours dans même interview ça porte-parole premier ministre Jean-Jules Desaugustes t'es parlé avec nous sous nouveau plateforme numérique gouvernement mettez sous pied pour assurer gestion contractuelle yo qui dans administration publique là. Et il y a une grande opportunité que ça va le bail, ça va permettre que tout le monde qui était à toucher comme l'État, qui n'a pas de travail, tout le monde qui était dans le système, qui n'a pas de fonctionnel, tout le monde qui n'a pas d'opérationnel, question de chèque zombie, ça pourra permettre l'État à rapatrier comme ça et investir, que ce soit en éducation, que ce soit dans la sécurité, qui c'est une pierre d'achoppement pour le pays, que ce soit dans la santé, en tout cas pour réinvestir donc tout comme ça qui qu'on a gaspillé dans l'administration publique là. Pour réouvrir l'école qui vient pour fête 1er octobre qui a venu là, ministre de l'Éducation nationale a travaillé sur un plan pour le capable d'accompagner l'école publique à qui ont cantine scolaire. Toujours selon porte-parole premier ministre Jean-Jules Desaugustes. Dans ce sens ça, pour réouverture des classes là, nous connaissons que gagné environ 2 millions d'enfants qui ont bénéficié d'accompagnement en matériel scolaire. C'est ça que donc ministère de l'Éducation nationale lui-même a annoncé et ça comment c'est fait en termes de mesures. Nous connaissons plusieurs milliers de familles, de parents aussi qui ont recevoir chaque parent, mais chaque famille, pourquoi pas, à travers leur téléphone, environ 15 à 20 000 gouttes. Ce qui n'est pas beaucoup, nous comprenons ça, mais tant que vous dites, si patate fait pile, puis c'est crapaud aider la rivière descendre. Chaque haïtien, haïtienne qui a à comprendre ça. Dans ce sens, ça, pour réouverture des classes là, nous connaissons que gagner environ 2 millions d'enfants qui ont bénéficié d'accompagnement en matériel scolaire. C'est ça que donc ministère de l'Éducation nationale lui-même a annoncé et ça comment c'est fait en termes de mesures. Nous connaissons plusieurs milliers de familles, de parents aussi qui ont recevoir chaque parent, mais chaque famille, pourquoi pas, à travers leur téléphone, environ 15 à 20 000 gouttes. Ce qui n'est pas beaucoup, nous comprenons ça, mais tant que vous dites, si patate fait pile, puis c'est crapaud aider la rivière descendre. Chaque haïtien, haïtienne qui a suivi là, a comprendre ça. Mais maintenant, nous connaissons tout. D'autres mesures qu'on prend, c'est le plus important d'ailleurs, c'est le rétablissement de la sécurité pour que tout le monde, dans tout coin, dans la région métropolitaine, mais dans tout le pays, soit capable d'arriver à aller à l'école dans la paix, dans la tranquillité. Moi, c'est Steven Aristide, depuis Port-au-Prince, pour VOA Creole. Steven Aristide, nous allons retourner encore avec un gros dossier, gros point qui a dominé l'actualité dans le pays d'Haïti avec une visite secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui est trouvé dans le pays d'Haïti jusqu'à présent dans Port-au-Prince capitale là, côté que il va prendre route tout à l'heure. Pour République Dominicaine, nous allons joindre une mise à jour avec un correspondant nous qui sous place en parlant de Yves Manuel. Yves Manuel, qui mise à jour que vous capable de faire pour nous? Nous parler de plusieurs déclarations qui fait déjà. Dis-nous non. Eh bien, donc, ça m'a ajouté en termes de mise à jour. Secrétaire d'État Anthony Blinken a rencontré ensemble de partis réduits, hein, de partis politiques, nos capacités et en avant et de Diri Tardieu, Guémarie Narcisse Lavalas, et Guénien, représentant 21 des hommes, Pascal Adrien, et sa côté, accord Montana. Donc, nous, par contre, et qui ça qui discutait à, et par
parti politique ça yo, mais secrétaire d'État fait que saute et chita parler avec yo dans ambassade américaine à Port-au-Prince. Donc après chita parler ça et secrétaire d'État a pour Vuelta dans MMS là et gagner une conférence clôture qui prévoit dans aéroport international et tout ça l'ouverture. Nous connaît que il déjà rencontré premier ministre là avec donc et coordonnateur conseil présidentiel là Edgar Leblanc fils. Donc gagner question sécurité à quitter dans mi-temps discussion ça compte nécessité pour que Haïti capable organiser élection en un pays. Et puis donc qu'on y a qui ça gagne encore donc après ça après et force multinationale là il peut gagner pour dire bah une conférence de presse ça me comprend. Justement, dans l'aéroport international Tosin Ouverture, donc, il y a un journaliste qui commençait à rassembler, capitaine, secrétaire d'État, et mise en place sur la fête. Donc, tout de suite, il est sorti dans MMS là, et là, dans le salon diplomatique, aéroport international Tosin Ouverture, pour une conférence de presse, ou bien on prend presse avant de prendre avion pour la République Dominicaine. Et bah, mon petit, update, nous, sous qui genre environnement, nous connaissons son gros autorité, aux États-Unis, qui dans le pays d'Haïti, qui a une sécurité au niveau aéroport? Bon, et sécurité à très tight, gagné militaire et qui mobilisé et policiers kenyan yo, yo tout mobilisé yo et en fait est présent dans à terre aéroport international Tosin Ouverture et c'est pareil pour ambassade américaine qui dans zone tabac et policiers yo mobilisé yo a fait checkpoint et dans tout côté au passé donc Formzo et sécurité a vraiment tight et ça étonné et riverain yo qui campait de bon arrière qui a regardé puisque yo geta connaît son autre personnalité qui entré parce que d'habitude pas gagner tout policier ça vraiment qui mobilisé dans zone tabac pour capable garantir sécurité riverain. Emmanuel, et gagne une information qui sorti Port-au-Prince qui t'a fait comprendre tout que parmi les partis politiques et monsieur Blinken t'es gagné pour recevoir t'es gagné petit Dessalines là dans tout est-ce qu'on a confirmé ou bien infirmé? Justement, et petit Dessalines de parmi les partis politiques, hein, Anthony Blinken lui-même l'a rencontré. Nous connaissons que petit Dessalines gagne représentant là et qui c'est Emmanuel Vetteler qui gagne non cité dans question scandale corruption et dossier ça et assurément été évoqué pendant et j'ai parlé avec parti politique nous pour connaître qui ça qui sorti en thème clair et qui position et secrétaire d'état sur question ça mais son dossier qui était à l'ordre du jour dans cadre rencontre qui fait avec parti politique. Donc c'est ancien sénateur Maurice Jean-Charles qui était représenté petit Dessalines. Bon, et nous pas connaissons si c'est Maurice Jean-Charles parce que nous pas Welly en personne, donc mon décide yo et nous était Welly et donc probablement c'est représentant, il était voyé on l'autre représentant dans petit Dessalines, mais une chose est certaine et petit Dessalines était participé dans discussion et qui fait et c'était confirmé très tôt de la matinée et bon côté Maurice Jean-Charles, c'est secrétaire général parti. Merci Yves-Manuel. Yves-Manuel, c'est correspondant nous dans Port-au-Prince qui lui-même l'a suivi et visite ça que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a fait dans le pays d'Haïti et il presque arrivé dans la fin et visite ça et tant que correspondant nous Yves-Manuel se dit l'a bien pour le bail en conférence de presse dans l'aéroport international Toussaint Louverture là avant que le mette tête li pour République Dominicaine. Vous souvenez au Acréole ou à suivre un programme dans langue créole haïtien n'a pas les non l'autre point dans actualité avec calamité moun grand sud moun environ 4 départements cap éviter gang armé et qui ont même à passer misère sous une vieille route qui crasait en passant par Pétionville à Kinskov pour aller bout de Jacmel. Nous avons un reportage où dans tout ça. À cause de la violence gang armée dans le pays d'Haïti qui bloquait toute route nationale, eh bien, citoyens qui ont fréquenté Grand Sud, Paysan, Grand Danse, Sud, département des NIP, Sud-Est, et qui ont parti dans l'Ouest, là, nous voulons parler des forêts de pins, eh bien, des citoyens obligés à passer péripéties dans une zone où il est Kajak en passant par Pétionville à Kinskov pour Albout Jacmel. De Jacmel étant, ou capable al nan Nip Sud à Gredens à Forêt des Pins. Ou ça, c'est bête, tankoubou, rik, cheval à Milet qui kafel à motocyclette, rarement que gen machine 4x4. Parce que nous, on a passé misère. Des bons tirs à plus tomber là, obligé de nous mettre des motos en côté, nous ne pouvons pas faire avec. Eh bien, 6e route là,
bon pour arriver pour moi Jacques Mel pour aller. Si route là est vraiment impraticable même pour mon à pied. Voir pour moto, machine même c'est pas parler. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui est très, 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 très difficile. Ça cause un peu de monde qui va mourir à cause de la route qui n'est pas bien, elle est prise à l'hôpital. Nombre de temps, elle est prise à vivre là. Malheureusement, elle n'est pas qu'à aller à cause de problèmes de route là. Ça a une cause que elle est passée sous route. Adrien Alt, qui est CASEC, première section communale Keskov, monsieur dit que la situation ça vient aggraver le problème de monde qui a fréquenté les zones, notamment les gens qui sont dans le secteur commercial. Je ne parle pas sous tête maintenant, vous avez les gens qui font des pays, paquet de produits à gaspiller. Et tant que poivron, l'autre produit, pomme de terre, zonyon, les gens viennent débarquer sous tête maintenant. C'est un risque pour descendre tête Kajak. Vous avez porté ce sac là pour vous. Non seulement $150 et les moto prend là pour mettre Port-au-Prince, il a dépensé plus que 1000 dollars pour arriver avec elle et provision yo fin gaspiller. Bon côté parle ancien député Deus de Ounet qui lui-même fréquentait route ça tout pour Allah Kali Jacques Mel souhaitait que autorité en place yo assume responsabilité yo pour capable régulariser situation. L'État central t'es capable de faire un voyage garder yo. Voyez quelques matériels qui adapté dans route là pour passer maintenant dans route là pour nous. Mais gagne 5 côtés qui c'est plus gros danger qui pour nous dans route là. Et gagne 5 côtés de danger, notamment boy site là c'est youn, notamment nous dans mon Kajak. Nous gagne mon Tifilang qui c'est 2, ou gagne mon Tipokan, ou gagne mon Timiska. Après ça nous gagne mon cheval. Donc 5 côtés ça yo c'est côté mérité. Non seulement pour gagner des matériels adaptés qui font passer dans mon sa yo, mais si l'État est capable de bétonner pour nous, bay moun nan zone yo possibilité pour yo travail, j'en ai fait la main là, yo ka fait quelques quinzaine de travail là dans yo bétonner, là bon pour chauffeur moto sa yo, nous ka passer misé. C'est depuis plus passé 3 l'année, route nationale numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, ak numéro 8 la bloqué à cause violence gang armé yo en dans pays d'Haïti. Ou en tout ça, pour VOA Creole, Port-au-Prince. Gros fusillade dans Georgia, dans ici aux États-Unis. Donc c'est actualité internationale là, dans un petit moment. Ou toujours sauvé au Créole, observé un programme dans langue créole haïtien, tant qu'on nous t'a annoncé, eh ben, hier, t'es gagné une fusillade dans l'école secondaire, dans l'État Georgia. Hier, mercredi, eh ben, ça la cause moun mouri, et puis, 9 autres blessés, la police t'est identifié et arrêté. Suspect là, qui gagne 14 ans, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Jodi a plus détails sortis sous suspect 14 ans, ça, qui t'a fait une fusillade dans l'école secondaire, dans l'État Georgia, hier, mercredi. Fusillade la tétouye 4 moun et puis blessé 9 lot moun dans l'école Apalachee High School dans ville Winder qui situé dans Nord-Est Atlanta. Suspect là que la police t'a identifié sous nom Colt Gray, yo t'a arrêté, metté en bacode dans prison. Investigateur t'a dit que la police t'a interviewé suspect là l'année passée, peut-être menace que t'a fait laisse ça sur internet pour faire connaître que t'a pral commettre un acte fusillade dans l'école. Directeur bureau investigation Georgia Chris Hassey t'a dit que yo pral accuser ti jeune suspect là qui relait Colt Gray et puis y a jugé correctement comme un adulte. Directeur FBI il a t'a identifié moun qui t'a mouri dans attaque là dans une conférence pour la presse que t'a ba hier mercredi dans Aswe. Mason Shermerhorn, l'âge 14 ans. Qui c'est un élève ici là dans l'école là. Christian Angulo qui te gagne 14 ans tout, li c'est un élève ici là dans l'école là. Richard Aspenwall, yo pas certain de l'âge, mais il était un professeur ici là dans l'école là. À Christina Irimi, me regrette pour prononciation moyen. Li même tout, il était un professeur dans l'école là. Zaxa, c'était premier fusillade sous full moon ici aux États-Unis depuis commencement année l'école là, ak seulement quelques semaines depuis que l'école a été recommencé dans un pile district scolaire yo. Communauté qui gagne 18 000 moun qui vivent la donne, te prend gros saisissement. Plusieurs moun te rassemblé bonheur dans mercredi pour yon vigile la prière. FBI te dit que la police locale yo te interviewé yon lot ti jeune qui gagne 13 ans ensemble avec papa li année passée concernant menace sur internet pour yon te commettre yon fusillade dans l'école là. D'après ça, investigateur te dit, papa te déclaré que te gagne zam pour faire la chasse dans kay la, mais ti jeune nan pas de gagne accès à zam sa yo sans supervision. Ti jeune nan te démenti dit que li pas de fait menace sur internet.
Officiel arrondissement Jackson County yo te averti l'école locale yo puis yo continue mettre surveillance sous tigène ça. Officiel Georgia yo te confirmé que déclaration ça yo te en connexion avec suspect ça qui dans prison. Sheriff zone là Jude Smith te dit que tigène qui fait zak ça dans mercredi te armé ak yon zam mark AR platform ou soit fusil semi-automatique. Sheriff Smith te dit que suspect là te bien vite intercepté par député police qui était sous place dans l'école là qui était immédiatement déplacé vin sous les lieux et puis suspect là te déposé les armes rend tête li. Une fois que était arrêté suspect là, il était parlé avec investigateur qui était quoi que li pataji pour compte li. Autorité était refusé dit si était au courant de qui ça qui était motif fusillade ça. Sheriff Smith te dit reporter tout que toutes 9 moun victimes qui interné l'hôpital yo t'a supposé refait. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Et puis n'a pas été ici aux États-Unis pour nous parler de élection. Ukraine a fait face à perspectives différentes sur une présidence Donald Trump ou bien Kamala Harris. Mais dans le moment où cela a avancé, aucun des deux candidats pas présenté vraiment un plan qui j'en peut gérer guerre la Russie a mené contre Ukraine. Et Jean-Robert Philippe lui-même a suivi de très près pour nous ça qui a passé dans l'élection. Jean-Robert et Lipro Claire. Question guerre Ukraine et la Russie dans agenda de candidat. Effectivement, Jacques Jondia et deux candidats, on a parlé de Kamala Harris avec Donald Trump. Il n'y a pas de composition claire sur la guerre en Russie. C'est vrai que le président Donald Trump dit qu'il a pété fin de la guerre immédiatement, fin pété sa main. Mais Kamala Harris, tout lui-même, tout, il veut un pile de la sous Trump, tout sous affaire Ukraine. Mais position est différente parce que ça va dépendre de qui moun qui emporte l'élection. Ça ne l'a pas dit, soit Ukraine dépend de qui est-ce qu'elle va emporter l'élection. Ancien capitale Ukraine, bien qu'on ait, qui ça savait dire, les lui obligé couper lui en bas volonté, gros puissance. Analyse, gagne une attitude, mi figue, mi raisin, sous possibilité pour ancien président Donald Trump à retourner dans Maison Blanche pour un deuxième mandat. There is a prevailing opinion that the return of Alexei Melnyi, qui travaille dans le programme Relations étrangères, sécurité internationale, organisation Razumkov, parle pour dire retour Trump dans la Maison Blanche, ce n'est pas pi bon scénario pour Ukraine. Même là, il y a une opinion qui dit que bagayo ta capable différent. Trump a déclaré la paix est faite dans la guerre rapidement. Même le candidat pour poste vice-président parti républicain J.D. Vance s'est déclaré, ça va bien longtemps, il n'y a pas aucun souci pour l'Ukraine. Déclaration ça, la guerre ukrainienne yo nan doute sur ça, yo doit penser. Un président potentiel Kamala Harris fait sembler plus passer une seule carte pour pays ya, qui bien connaît Trump avec président Biden. Harris a rencontré président ukrainien Volodymyr Zelensky après l'été représenté Biden dans différents gros sommets internationaux sur sécurité. Pendant visite sa yo, Harris a parlé brièvement de Ukraine à façon politique les différents avec Trump. Trump. He encouraged Putin to invade our allies. Quand la partie démocrate là, Kamala Harris parlait pour dire, Trump t'a encouragé président Vladimir Poutine pour envahir allié New York. Il déclarait, la Russie capable de faire quel que soit ça, le fait. 5 jours avant la Russie t'a attaqué Ukraine, moi t'ai rencontré président Zelensky pour avertir sous plan la Russie gagner pour envahir Ukraine. Moi t'ai démobilisé une réponse globale avec participation de 50 pays pour défendre agression Poutine. Non. Comme président, m'a campé ferme bon côté Ukraine à calé l'OTAN. Analyse fait qu'on est Harris semblé capable ba Ukraine même support Biden te bali. Plan politique a fait étranger ton plan pour que j'aime clair. En temps promesse ton fait pour le dire l'a mettre fait dans guerre un jour après il fin prêter serment comme président. Andrew Payne, une conférence politique à fait étranger à sécurité dans l'université Londres. Parler pour dire, il n'est pas clair entièrement qui Jean pourra le faire. Crainte là, bien sûr, il pourra le faire tout simplement pour abandonner l'Ukraine, couper fonds assistance, mettre pression sur Zelensky pour négocier dans un moment côté Poutine capable de bénéficier de négociation. Mais il dit, champ bataille a changé position avec dernière décision, force ukrainienne yo prend pour yo attaquer l'autre bord frontière la Russie et puis saisir une partie dans le territoire russe là. Pendant analyse prédit en grande partie Ukraine soit pas prêt à chercher ou réussir kembe territoire sa yo, c'est seulement un échange qui pour aider Kiev quel que soit monde qui remporte la victoire. Analyse a ajouté Biden capable entrer dans bataille là dans une étape importante. Andrew Payne ajouté, il n'a pas espéré aucun changement dans la position États-Unis vis-à-vis opération militaire ukrainienne avant l'élection novembre.
mais il peut observer ce qui a passé entre novembre et janvier 2025. Jean-Robert Philippe, VOA Creole, Washington. Merci Jean-Robert. Et puis dans la guerre Ukraine, la Russie, il y a le président Wislaw Vladimir Poutine qui dit que la Chine et pays N avec Brésil, eh bien, autant capable de médiateur, jouer un rôle médiateur dans chute attendez avec la Russie, Ukraine. Et pendant ce temps, eh bien, hostilité a continué en deux pays, côté Yon a tiré sous l'autre. En France même, président Emmanuel Macron nommé Jodia, ancien ministre et ancien commissaire européen de droite, Michel Barnier, 73 ans, comme premier ministre pour remplacer Gabriel Attal, 35 ans, Sandra Lemaire. Président français Emmanuel Macron nommé Michel Barnier, un politicien qui était négocié Brexit là, c'est-à-dire séparation Grande-Bretagne avec Union européenne, comme nouveau premier ministre pays à jeudi. Barnier a monté dans poste là plus passé 50 jours après élection. Nomination Barnier qui gagne 73 ans, faite après effort intense, Macron a conseillé l'IOT déployé pour joindre un candidat qui est capable de battre coalition partisan dans le Parlement et puis suivre tentative possible opposant Macron yo pour renverser nouveau gouvernement que Barnier pral diriger à. Député droite républicaine Émilie Bonivard, quoi c'est un bon choix. Et évidemment, je suis heureuse que le choix se soit porté sur Michel Barnier, qui est un homme solide. C'est une candidature d'expérience crédible et qui va permettre enfin de sortir notre pays du chaos. Donc c'est une bonne nouvelle. Michel Barnier, c'est évidemment un homme de droite, mais aussi un homme de compromis. Toute sa carrière le montre. Un fin négociateur, il sait travailler avec tout le monde. Et donc c'est évidemment une bonne nouvelle pour notre pays et je sais qu'il sera à la hauteur de cet engagement et de ce défi qui est très important. Éric Coquerel lui-même, qui est président commission finance Assemblée nationale, a dénoncé choix. Mais c'est un vrai coup de force démocratique parce que je rappelle que ces gens-là ont été battus aux élections législatives, leur politique a été battue et que malgré tout, c'est celle qu'on va vouloir imposer une fois de plus aux Français. En bas la ville Rennes, étudiant hors du spectacle, Pablo Célestin, pas fin trop content, Akchoa non plus. C'est chiant quoi, ça prouve un déni immense, ça prouve un non-respect vraiment de la voix du peuple, c'est quelque chose qu'en plus Macron aime bien dire oui, les Français machin, là les Français ils ont voté Nouveau Front Populaire en majorité, il s'agirait de jouer le jeu, hein, Macron quand même. Ingénieur Luc Madeline lui-même dit la suivre. Il faut voir quel ministre il va prendre. Ça peut être un jeu premier ministre de droite et ministre plutôt de gauche. À mon avis, ça va faire partie du message politique aussi. C'est-à-dire que quelque part, ministre à droite, on va avoir des ministres à gauche aussi. On peut jouer. Et c'est ce que fait Macron depuis le début. Opposition française là, mauvais coup Kong avec nomination monsieur et yo cementé pour yo organiser manifestation pour protester contre Barnier et puis mettre pression sur Macron pour le démissionner. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Merci Sandra, nous pratiquement arrivés dans fin programme là, faut dire que plus gros nouvelle là, c'est surtout et concernant pays d'Haïti côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken l'a pratiquement arrivé. Yon visite dans pays d'Haïti donc tant qu'on capable sous écran nous, il était rencontré avec président conseil présidentiel transition hein, monsieur Edgar Leblanc fils, il était rencontré tout avec premier ministre là, n'a parlé de Gary Conny et d'après sa correspondant nous dans Port-au-Prince Yves Manuel Dino, il rencontré tout avec quelques représentants et classe politique là dans pays d'Haïti et l'a gain pour la visiter mission multinationale là et l'a gain pour bail une conférence de presse dans l'aéroport international tout c'est l'ouverture pour clôturer et visite ça dans pays d'Haïti avant que le mette tête pour République Dominicaine côté que le pral gain une visite chargée demain et VOA Creole à bord et point important dans visite ça.
Donc c'est là nous mettons fin dans le programme. Non, merci pour attention nous. Merci pour fidélité. Nous sommes plaisir comme d'habitude pour nous te présenter actualité à surtout avec visite et chef diplomatie américaine Anthony Blinken qui actuellement dans le pays d'Haïti et qui pral dans la République dominicaine dans un petit moment. Moi c'est Jacques Lambelizer. Merci pour attention nous. Merci pour fidélité nous. N'a pas cassé rendez-vous pour demain pour une autre édition Rendez-vous Info. Mercredi 4 septembre non, la police refrappé encore pire dans Badelma. Gen plusieurs présumés bandits tombés et gen un fusil M4 que la police rive saisi. M'am grand bien pour nous. Nan journée que te mercredi 4 septembre 2024 là. Différents unités spécialisées dans la police non, qui dans opération yo, l'armée d'Haïti, officier Kenyan yo, monsieur yo rive pose alors rive dans boukate kout zam avec divers bandits. Nan niveau Badelma, gen pou pipiti nan vidéo ke mwen yo, gen de pou 3 bandi nan image ke mwen yon. Ki tombe, sa tombe avec valise sou do yo, avec valise ki met plein bal la dan yo, mais la police rive saisi yon fizi M4 nan menek yo. Sa vle di ke, opération kap mene nan niveau Badelma nan mouman, nan Bel Air Solino, semble se coupe souf liye. Lem di coupe souf, sa vle di, c'est couper souffle barbecue, c'est couper souffle kempes et permettre que yo libéré, yo pacifié dans niveau Badelma. Zami internautes nou yo. Jean qui en plus monde capable ap garder ap tandil. Selon journal Miami Herald. Selon ça l'apprend que États-Unis envisagé pour capable transformer mission multinational soutien sécurité à Haïtien en une mission Nations Unies. Ça veut dire en une mission onusienne pour permettre que yo capable plus moyen, plus matériel avec mission 1 qui pour permettre que yo capable remplir avec mission comme ça droit. Ça veut dire question qui t'est dit bon côté officier kenyan qui t'est dit que nan jou ka vini pas opération en l'air, opération sous la mer, opération à terre contre bandio, mais ça pral commencer à travers ça pral dit que une fois que transformer mission ça en une mission Nations Unies. Jodi an peuple haïtien dit le bouquet, jodi an peuple haïtien dit li a bout zami internet nou yo. C'est vrai que des monde qui nous a dit que opération pas seulement mené dans niveau Badelma. Opération pas seulement c'est barbecue certes, mais je dis hein, l'État à travers porte-parole a clairement dit que yo pas gagné assez moyen pour ta permettre que yo mené opération sur divers espaces en même temps. Comment on veut dire? Ça veut dire il a essayé garder au fur et à mesure comment capable gérer une situation, un espace et après ça pour avancer l'autre côté encore zami internaut nou yo. Bye barbecue cette vidéo non? Désir, bah ouais, vidéo avec aujourd'hui. Non, bah on est si monsieur, ça passe non, barbecue aujourd'hui, désir. Barbecue semblait en congé, Blaise Peterson. En congé. Force de l'audio a avancé avec force. Il a pesé sur accélérateur, lui permettre que barbecue n'a pas cassé. Et Blaise Peterson, CSPN, à quoi commandement, force multinationale là. Yo persistant chita, pour discuter sous meilleurs moyens pour opération qui a mené dans le quartier Belé, Solino. Fonds national, Badelma. Et Blaise Peterson, tant qu'on s'y a l'île. Divers bandits valés à des naissances. Gen yon pren ak tout zam nan men. Gen yon pren se second qui avec valise chargé cartouche nan doyo. Et la police qui décide qui te optimé l'ordre, qui te bay l'ordre avec monsieur yon, pour yon te campé, pour yon te déposé zam, levé men en l'air. Yo pa avle tende, c'est dans l'échange que yon yon avec la police. Et bien la police, selon information yon, et en légitime défense, la police mette à cassant nan et mette 6 ou sous à cassant nègre. Mette 6 sous bonbon nègre. Jusqu'à présent, opération a avancé l'expression. Département d'État américain montre que yo nan situation très difficile. Nan question financement, mission kenyan nan en dedans pays d'Haïti. Parce que ensemble pays, sans doute qui te fait promesse, l'expression yo pas répondre. Et bien ça permet, tant que ce dit là, y a réfléchir. Qui j'en yon kab transformé mission sa en yon mission onisienne qui kab permet ki yon jwenn pi bon ki choye. Blaise Peterson, nan conseil gouvernement, premier ministre, Dr. Gary Kony, te réalisé nan date 3 septembre 2024 la, eh bien, yon décidé et importance que yon gen yon mette, Blaise Peterson. C'est dans ça qui vient pour avec bataille, combat contre insécurité. Son premier ministre te dit, nous pi près, au lien pi loin, malgré le qu'on est pour résoudre le problème de sécurité à la grande titan.
Il y a un combat qui l'ensemble d'un pays contre corruption, contre grand banditisme. Eh bien, ILCC continue à troubler sommeil, nek ak fam, road dignité, qui te fait partie de l'administration publique, qui te détourné en pile l'argent de l'institution. Nous pas complices. Écrit et situation qui a passé là. Li décrit comme un bon pas, surtout dans la décision, ILCC prend pour traquer, pour voir devant la justice, yon ensemble personnalité qui était dans l'État, qui blanchit un paquet l'argent, nous pas complices, bat bravo pour ça. Nous pas questionner qui Jean, yon bat bravo et pour qui ça, yon bat bravo et à partir de qui ça, yon bat bravo. Pour efficacité, bataille contre corruption dans le pays d'Haïti, li dépend des révisions, décret 8 septembre 2024 qui était créé ILCCA. C'est peut-être ça. L'important pour nommer un monde compétent, sans parti pris, honnête, comme chef institution si là, avec un mandat pour au moins 10 l'année. Li nécessaire tout pour garantir indépendance la justice, nan bay et commission, nan bay commissaire gouvernement, yon mandat 10 ans tout, yon capable de continuer à faire travail yon l'explication. Modèle situation qui gagne en dedans pays, li paraît très difficile, li inquiétant. Blaise Peterson. Les États-Unis prennent très au sérieux. Trois gros taureaux qui dans le conseil présidentiel transition dans dossier scandale corruption BNC. Quelques temps avant visite Anthony Blinken dans le pays d'Haïti, chef diplomatie américain, assistant secrétaire d'État américain ou émissaire l'Ouest dans les États-Unis, et Brian Coles, li pratiquement Blaise Peterson encourager autorité haïtienne immédiatement yon enquête pour établir responsabilité conseiller présidentiel yo dans escandale corruption si la parce que la papiti bana pour l'autre dimension. Blaise Peterson songe Anthony Blinken a rentré pendant journée dans pays d'Haïti, li pratiquement a gagné pour le rencontrer avec premier ministre Dr. Ariel Henry. Là, il pour le rencontrer avec actuel coordonnateur président conseil présidentiel transition Edgar Leblanc fils. Ce qui ça va discuter sans doute c'est sur question scandale corruption, sur question sécurité insécurité qui gagne dans pays et exigence pour élection yo organiser Blaise Peterson. Et songez Anthony Blinken pas prêté dormir en Haïti. Là bien pour fond coup tête en République Dominicaine tout selon information qu'en joine Blaise Peterson bon côté ensemble confrère à concerne yo cap fouiller zo dans Kalalo. Blaise Peterson SNGRS SMGRS c'est une dans institution qui impliquée dans cas scandaleux, EDH impliquée dans cas scandaleux, PNCS impliquée dans cas scandaleux, ONA impliquée dans cas scandaleux, même Jean diplomatie haïtien qui chargé corrompu qui la dans dans beauté l'argent tout partout pour arranger les affaires pa yo, même déclaration et patrimoine que moun sa bay c'est faux déclaration patrimoine dans opération que la police a mené au Blaise Peterson, yo pas seulement vide bandi à terre mais opération permet que yo maré des nègres qui pratiquement entré dans trafic drogue pour vendre avec bandits. La police a arrêté Ronald Toll pour trafic drogue 3 septembre passé à force l'audio et mettait la patte sous toroa dans Ricapoa dans Port-au-Prince. Agent BLTS joint une quantité importante marijuana dans possession qui estimé à 32.5 kg marijuana. Qui côté de Balavel pour qui est-ce qui t'a porté qui ça t'a fait avec et dans moment en plus, le monde qualifie comme moment et fragile, c'est là. Pour qui ça, c'est dans le moment où c'était gain, marijuana dans le mail et pour le traverser avec les situations. Jusqu'à présent, la police a frappé. Non, rien pas, yo. Depuis, Kébé bandit, yo Kébé nek kap travail pour gang, et bien, yon l'autre bagarre qui yon fait, et n'a pas rappelé, bien plusieurs policiers pendant semaine qui sont écoulés, qui pratiquement arrêté et qui t'a fait partie des groupes gang, les situations pour barrer les sons, pour dire tout l'autre policier, pour yon pas rentrer dans gang. Si yon rentre dans gang, c'est yon mauvais chemin. Que vous faites, les personnes, les amis internautes qui branchent tout partout. Commissaire, gouvernement, juridiction, c'est ma classe. Maître Vincent François, qui réagit sur un rapport que Fondation Géclairé, FJKL, mettait dehors, qui responsabilisait commissaire gouvernement dans le cadre et évasion qui t'a fait dans la prison civile et c'est ma classe, 16 d'août passé à côté, t'as gagné au moins 14 prisonniers qui étaient morts. C'est information autorité officielle de la ville de Saint-Marc-Tébaille. Eh bien, FJKL vient avec un chiffre 19. Selon le commissaire gouvernement, il fait quoi? Vous voulez parler de Maître Vincent François? Il déclare que Blaise Peterson, c'est un rapport qui monitoring par volet tête, par politicien corrompu qui a la loi dans la juridiction, parce qu'il y a 10 ans depuis la servi
moun yo dans juridiction il était substitut et il gagne 21 mois depuis le vin commissaire principal et ben c'est ça qui à la hauteur qui permet que y a servi avec question invasion pendant lui même il pat même là et il voulait accuser la question ça des personnes. Voilà analyser, nous va questionner, nous va regarder opération qui a mené pratiquement dans Port-au-Prince et l'autre sonio pas oublier que Gandos l'a frappé tout. Toute zone qui a opération qui a frappé yo, dans le département nord, dans le nord-ouest, dans le nord-est, la police a frappé, la police motivée on peuple, surtout avec Vini, Blaise Peterson et Nomi Rameau comme directeur police nationale d'Haïti, ou Takadi. Que policiers ont senti dans bien, policiers ont senti dans peu, policiers ont senti confortable pour faire job la Blaise Peterson. L'autre ça qu'elle n'a pas ajouté des Yvonnes que beaucoup de PAM, c'est que notre journée qui était mercredi 4 septembre 2024 l'an, n'a dit que des Yvonnes que eh bien en zone où elle alerte, zone Bossamba Arena, dans zone ça qui pas trop loin village de Dieu, qui pas trop loin zone 1er, 2e, 3e, 4e, 5e avenue Bolos, ben moun t'est capable tendre en pile coup de balle qui t'a chanté dans zone ça des Yvonnes et en pile moun t'est capable remarquer tout c'était plus machine blindée et ben qui t'a gain présence on dit que et de policiers de soldats et des officiers kenyans qui étaient dans bloc là qui eux même t'a mené des opérations et pas des opérations parce que pas vraiment des opérations dans niveau et zone bisatonnelle mais en attendant que la police et l'armée d'Haïti officiers kenyans fait entrer sortie par rapport avec et ça qu'a gain là et ça qu'a passé en bas et n'a rappelé des Yvonnes nous songer. Nous jeune quitté mardi et 3 septembre non dans Riel roi pas peu de choses gablisier résumé bandi qui joine un dit qui va la naissance dans quatre interventions que la police t'a fait dans bloc ça et monsieur Yorivé est tombé et n'a dit désir selon ministre des affaires étrangères haïtien madame Dominique Dupuy après que elle t'ait fait une visite et bon se participer dans des activités dans pays Brésil il rencontrer autorité dans pays brésilien et puis l'autre pays encore yo discuter sur situation Haïti et dans discussion que fait sur situation Haïti et même pays étranger ou bien qu'en pile là capable gamer tremper dans situation Haïti en tout mais yo dit au bouquet finalement faut qu'il y ait une solution qui joigne avec situation que Haïti a connait là. Faut qu'il y ait une solution qui joigne définitivement avec situation que Haïti a connait là selon ça au fait qu'on est. Et qui donc les que y a gardé ça qui a passé en Haïti là, yo croit que Dieu qui volonté pour aider Haïti résoudre problème que l'a connait là et des problèmes pour résoudre définitivement pour éradiquer problème qui est là et ça existe là comme situation amis internautes nous. Et n'a dit clairement désir venir. Et ami cap gade cap tande la yo que selon ministre des affaires étrangères Dominique Dupuy il fait qu'on est que pays Brésil dit li prêt pour aider l'état haïtien surtout dans contrôler et frontière nou yo dans balbourat dans question droite nou yo dans aéroport nou yo parce que Brésil li son pays qui vraiment gen une spécialité dans question et frontière. Parce que pas oublier, selon ça, ministre Dominique Dupuy dit, en pile dans ZAM qui entre en Haïti, yo transité, passé par frontière. Yo. Donc, aider Haïti, nan aider contrôler les questions ZAM à 4 jusqu'à 4 dans le pays, li vraiment important selon ça qui dit bon côté autorité, yo, et selon ça qui dit bon autorité pays Brésil, yo, et qui dit au prêt, qui dit au paré, pour aider Haïti, nan permettre que yo gérer situation ça. Parce que je dis, et pas seulement à mener bataille contre question gang opération dans gang dans base gang yo mais tout faut gagne de disposition qui prend pour contrôler pour empêcher 24 potes armes à cartouche pour pas rentrer en dedans ghetto yo en dedans quartier populaire parce que sinon c'est laver mes essuie à terre désir Venise mettez c'est une gros aide blessé personne aider civer frontière pour ça ne pas rentrer pour cartouche pas rentrer pour connait qui plus gros avantage que ça gagne blessé personne. Nèg yo gen zam yo nan men yo déjà. Haïti pa fè katouche. Si yo pa jwenn katouche, zam yo pa même gen valè on roche. Ça veut dire un pays qui décide aider, qui décide bay support nan ve frontière yo, nan ve espace kote zam a traverser pour entrer dans pays a, c'est une aide, c'est une support, nous doit considérer comme gros aide qui a bay nan cas pour capable résoudre problème de sécurité qui gen la belle situation. Désir mon quoi certain que zami k'ap gade émission ça nan moment k'al fou vérité yo k'ap gade sou écran en bas écran côté que kon vidéo qui viral sou li son vidéo la police qui
on y répond en cap mené opération capable policier cap déployé et policier squad UTAC et BRI cap déployé dans plusieurs côtés. OK, Udmotou boy tout bagage ça. Et ou après dans même vidéo ça gon côté que qui écrit qui dit que la police là li pa la pagé pour exposer cadavre. La police là pagé pour exposer cadavre. Et c'est un message, au moins d'oublier désir. N'apprendre que selon ça que n'apprendre de soucis, gagner une décision que semble CSPN n'en prend pour empêcher que son drone rentre en Haïti. Même dit drone, ça veut dire que un individu ou dit mais est-ce qu'un particulier acheter drone voyant en Haïti. Ça c'est une décision qui appelle minuen nous de sous que nous ca faire confiance. Autorité dans l'État, à travers CSPN, il y a peine de prendre ici ça. Cette histoire comme si on est carré, là, vous voyez un drone, comme si on achetait un drone sophistiqué, là, vous voyez avant Haïtien. Là, il y a un peu de restrictions sur ça. Parce que vous estimez que ce drone ISO, il n'est vraiment pas être dérangé la police. Non? Et il prend de disposition tout pour yo et il contrôle que ce drone ISO. En pile froid mettez en les têtes force de l'audio. Bon, ça c'est des détails que m'a pas rentrer là-dedans. On ajoute bagaille. On croit que Blaise, on croit que et t'es gagné ensemble policier, t'es gagné ensemble militaire dans l'armée d'Haïti qui t'a grand formation soit Mexique sous question ça. Yo que moyen pour faire descendre drone ISO à utiliser. Yo que possibilité pour faire ça. OK? Parce que c'est ça que fait Kenzi dans section communication la police là il besoin garder section communication en technologie qui va permettre que travail plus efficace et bail plus bon résultat. OK, pour moi même parce que c'est une bonne décision. Si gen drone sophistiqué qui va rentrer en dedans pays surtout dans moment crise, c'est la police qui commande ou bien l'armée ou bien l'état qui commande. N'importe citoyen pas qu'à m'écrire pour faire commande des drones sophistiqués de longue portée et ça ou pas connait qui ça que vous faire avec. Et surtout nèg qui dans secteur privé des affaires qui arrange qui gagne contrôle insécurité a nèg qui dans politique yo dans politique traditionnelle yo gagne contrôle insécurité a et c'est même yo même qui arrange surtout dans volonté que la police gagne là pour utiliser des moyens aériens pour capable permettre que la police et soit victime dans cette opération qui a mené pour démotiver les policiers. Parce que c'est CSPN qui organise, il est correct, et surtout sur le point de situation. Exactement. Et moi, ça m'a dit à des gens qui ont regardé la CAP vivre aux États-Unis, CAP vivre au Canada, CAP vivre la France, dans de l'autre grand pays toujours. Il y a des espaces. Il y a des espaces qui gagnent, ça ne relève l'État contrôlé, téléphone, drone pas à voler. Il y a des espaces. Je parle, par exemple, aux États-Unis. C'est comme États-Unis vraiment veulent impliquer dans question insécurité en Haïti, il y a des appareils si on permet avec force de l'audio pour utiliser là quel que soit drone que on gagne, il pas qu'à voler. Par exemple, imagine là bon parler national drone ISO en les têtes à contrôler comment USGPN a déployé. Non mon cher, mais comme ça mon cher, les zones bois par les nationales, zone bois côté bois l'état ça en bas, c'est deux zones l'état, ça veut dire il y a metté restriction pour que rien pas qu'à voler drone et s'il le faut même téléphone, il n'a pas qu'à utiliser et qui a pas pour ça. Et moi c'est ça qu'a essayé prendre comme des dispositions pour permettre que service communication je te dis de policiers et de militaires qui t'a pris information dans pays Mexique sous question ça les que retourner et game quoi qui est retourner pour que yo capable gérer situation ça les que encore vraiment pour des opérations musclées qui pourra possible mener en bas. Désir et moi venir avec plusieurs réactions et surtout avec question rentrer Anthony Blinken en Haïti parce que concerne nous Sandra Lemaire qui fait un reportage sur ça. Bah ça va que casser Blaise. Non, m'a vinn avec. M'a fait mon attendre, c'est prévu c'est mon attendre que c'est moi qui vinn faire débat sur lui. M'a vinn avec. Ce que Anthony Blinken a parlé des questions et toi nèg qui dans question conseil qui impliqué dans bagaille. Pour ça m'a fait comme débat là et comme approche que m'a c'est plein monde ca d'accord avec ou pas d'accord avec. Pabli, moi, avec des Ivanes, toujours dit que la police n'a pas de mission tout yé.
la police gagne mission protéger ak servi. Mais nan cas que un individu décide pour pas couper en bas l'ordre force de l'audio, li décide rentrer nan tak au tak avec la police force de l'audio, laisse ça policier ou bien force de l'ordre là, li pa gen le choix que réagit lui-même. M'le nous comprendre ça très bien. Parce que notre création, fondement la police là, mission c'est protéger ak sa vie. La vie moun ak bien moun. Elle dit la police elle a pour touyer par la poule et comme si détruit. Et ça fait après les la police souvent parler, les quelques jeunes garçons, quelques présumés bandits qui tombaient. Yo parlé au dou et malheureusement c'est des monde jeunes garçons qui mortellement blessés. Elle dit c'est des bagages que la police les même tout en soi, les regrette ça arrivé hein. Parce que dans mission c'est pas pour touyer. Moi commence avec ça parce que moi connais gien plein monde qui a fait débat sur vidéo ça. Que moi avec Désir Venesse que ne pas venir avec vidéo parce que pour des raisons restrictions sur et que YouTube a bail. Même qu'a fait débat sur parce qu'il y a plein dans nous. OK? Et nous capable remarquer plusieurs quoi jeunes garçons sans vie en dedans de Chablendi. Et jeune garçon qu'on s'en vit ça yo. Mais ça est français, mais qui mouri. Et j'aime te dire tout à l'heure, ces jeunes garçons qui tombaient dans boucanté coup de zam avec force de l'ordre. Il dit nego tap tiré avec la police dans zone Badelma, nego pas décidé de tempérer, et bien force de l'ordre on dit la police, l'armée et puis et officier kenyan yo nèg yo réagi. Ça veut dire force de l'ordre réagit et jeune garçon ça yo même yo rivé et mortellement blessé pour me répéter parole la police policier yo. Et qui ça vous fait à côté de jeune garçon ça yo ou après la police gè des textes cap dit que on dit équipe jeune garçon ça qui n'a gardé qui mortellement blessé yo nèg yo t'a semblé gè un fizi M4 qui était dans mais yo. Bon bien. Et nèg t'a semblé gè un fizi M4 qui était dans mais yo. Et nous capable à travers ces vidéos ça yo gagné qui yo même avec valise sous dos yo. C'est ça pour nous comprendre. Non association en équipe là. C'est pas tout qui des âmes, c'est chaque bon mission au fait. Chaque bon rôle qui au jouer. Et chaque tout capable gagne un calibre d'âme qu'elle pote. Nèg qui pi solide là, nèg qui pi violent. Li ka gen pi gros zam nan nan men parce que il ka manevrer. Gen nèg tout ki nan équipe lan, li la pou le pote charge ki plein bal la dan. Lè ke charge nèg k'ap tire yan, bal li fini, charge bal li fini, rapidement li bal li courir a l'on charge nan valise li balil pou le capable remettel pou le goumen. Ça dit nèg ça, li pa gen mission pote zam. Et mission c'est nèg ça au second blesse. Bon, m'a konn jago. Non, moi c'est comme ça m'entendre nèg yo relé yo parce que département la Tibonite chargé gang là dedans. Bon, c'est comme ça m'entendre yo relé yo. OK. Ça veut dire que gien de nèg c'est pour c'est comme ça oui. Gien les cap porter valise sous dos yo. Gien nèg cap fait antenne. Et ça n'est les tout terrain. Gien nèg valise qui dans dos là. C'est cartouche qui la donne seulement, mais gien tout c'est chargé le gien la donne. Et après nèg ça marcher côte à côte avec nèg qui gien zam cap tirer. Ça veut dire ça qui essaie comprendre selon un pile monde qui essaie garder vidéo image côté jeune garçon ça yo qui en dedans Chablendi ça que force de l'audio après next fin côté fin boucater cousam avec yo et next yo rivé tomber et puis yo récupérer cadavre next ça yo et yo récupérer zam qui dans main next ça yo c'est parce que la police dans mes force de l'audio